Découvrir sa véritable voix, sa vraie voix. Salut, c'est Antoine, ton coach vocal. On va parler de ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, n'oublie pas de te procurer ton cadeau. Tu sais qu'il y en a toutes les semaines. Clique là-dessous pour découvrir ce que c'est et télécharger tes exercices à la maison. Tu rejoindras ainsi la centaine de chanteuses et de chanteurs qui utilisent mes conseils au quotidien. Une dernière chose, lorsque tu t'abonneras à la chaîne YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les semaines les exercices et les nouvelles vidéos que nous publions sur cette chaîne. Alors tout le monde a envie de savoir quelle est sa véritable voix, quelle est sa vraie voix. D'ailleurs, quand on s'enregistre et qu'on réécoute, on se dit « mais non, c'est pas ma voix, c'est pas ma vraie voix ». Voilà, il y a toujours un problème entre ce qu'on émet et ce qu'on entend. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'on chante, eh bien on est toujours en train, même inconsciemment, on est toujours en train de copier ou d'imiter un chanteur ou une chanteuse que l'on a entendu, la musique dans laquelle on a baigné, c'est quelque chose où du coup, par imitation, eh ben, on va produire en fait un son qui va s'en approcher. Alors, on n'a pas tous la même morphologie et du coup, nos timbres de voix sont différents. On a vu ça dans une précédente vidéo. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des modifications en fait de ton conduit vocal en permanence qui vont t'apporter une certaine couleur de voix et finalement, bah, ça ne sera pas ta vraie voix parce que ça sera toujours une voix trafiquée par imitation pour essayer de coller finalement à un modèle que tu as déjà entendu. Mais alors, ce n'est pas de ta faute hein, si tu copies ou si tu imites. En fait, tout le monde fait ça et tout le monde fait ça pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'on apprend à parler tout simplement. Dans les 6 premiers mois du développement du bébé, on commence à entendre, à écouter tout ce qui se passe autour et c'est comme ça que l'on va construire sa langue maternelle. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites avec des enfants asiatiques à qui on avait mis une nounou qui parlait pas asiatique, qui parlait anglais. Et ben, les enfants étaient très jeunes comme ça au contact de cette nounou qui parlait anglais et ils ont appris l'anglais en fait sans s'en rendre compte tout simplement parce qu'elle leur parlait au quotidien en anglais. Donc c'est pareil pour ta voix chantée. Toi, tu as appris à parler comme ça. Ton cerveau, il a écouté ce qui se passait et il s'est mis à imiter. C'est comme ça que tu as appris à parler. Et bien pour chanter, c'est aussi comme ça que ça se passe au début. On apprend en fait à chanter en imitant au début les autres voix. Alors, la première chose que tu peux faire, si tu veux, pour découvrir ta véritable voix ou en tout cas pour ne pas trop coller à des modèles auditifs que tu aurais, c'est de très vite te détacher de ces voix d'origine. Lorsque tu travailles des chansons, si tu travailles avec des bandes, essaye tout de suite de te détacher en fait des bandes originales sur lesquelles la voix de l'artiste est présente puisque sinon tu vas toujours être en train de chanter en copiant, même sans t'en rendre compte, si tu veux, inconsciemment, la voix d'origine de l'artiste. Donc absolument, travaille avec des bandes-sons karaoké, des bandes témoins sur lesquelles il n'y a pas la voix d'origine. Travaille avec un instrument de manière à pouvoir te détacher en fait de cette voix d'origine. Ça, c'est mon premier conseil. On va passer maintenant à un exercice, mais juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo et à la liker d'un petit pouce si tu penses qu'elle peut aider tes amis. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme on essaye toujours de copier un son qu'on a entendu à droite ou à gauche, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire énormément de modifications au niveau de notre conduit vocal. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un exercice pour qu'on essaye de se détacher de ce phénomène de copie et on va essayer de faire un son qui est le plus brut possible. Donc, c'est un son qu'on va faire en disant A et en tirant la langue en dehors de la bouche carrément. Comme ça, ça nous évitera que la langue fasse des petites magouilles à l'intérieur de la bouche pour modifier ton son. Ça veut dire que le son, ça va faire ça. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu vas chez le médecin et qu'il met un petit bâtonnet là qui te dit « dites A » pour regarder au fond de la gorge. C'est exactement ça. Là, on peut pas dire qu'on fasse un joli son. Mais par contre, c'est un son qui est très brut. C'est ton son et on va faire ça avec le piano. On va faire ça sur 3 notes. Donc, je te joue ça et on fera A. On est parti. Continue. Bien la langue dehors. Ah, 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 ah.
toujours tirer la langue. Comme c'est le médecin. Ok, alors comment était ce son? Je suis d'accord, c'est pas un son qui est joli à la base. Comme je t'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, on cherche à avoir une belle matière sonore et ensuite on pourra l'embellir grâce à des effets, mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Donc, je t'invite à refaire cet exercice. Alors bon, bah, au début tu vas peut-être rigoler parce que voilà, à tirer la langue comme ça, on fait pas ça tous les jours, je suis d'accord. Mais tu sais, nous, les chanteuses et les chanteurs de cette chaîne, on cherche des exercices efficaces. Donc tant pis si on a l'air bête, du moment que ça nous donne un résultat. Donc n'hésite pas à refaire cet exercice, à rembobiner la vidéo, à partager cette vidéo bien sûr. N'oublie pas tes cadeaux en cliquant dans la description ci-dessous. Sur les côtés aussi, tu as d'autres vidéos. Il y a plus d'une centaine d'exercices sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !